y a des milliers d'offres d'emploi disponibles, et quand j'ai parlé des 14 000 emplois disponibles, ça ne veut pas dire qu'on cherche 14 000 informaticiens de type fric, dingue ou neuf. Okay, c'est qu'on cherche 14 000 personnes qui n'ont pas peur d'exercer d'autres rôles, mais, et ça il ne faut évidemment pas le négliger, mais autour d'un business qui s'appelle les technologies de l'information et de la communication. Maar vandaag zit technologie, zit die ICT overal. Niet alleen in de mobiel, zoals ik juist zei, want we praten hier over de gezondheidszorg, we praten hier over allerlei communicatie, we praten over digitale televisie. De CEO Tour is een actie die de sector ICT van Agoria genomen heeft om eigenlijk jongeren einde humaniora-studies, laatstejaars, beter te gaan informeren over ICT-jobs, wat dat inhoudt, en om ze eigenlijk toch ook een stuk te sensibiliseren om later studies te doen die kunnen uitmonden in heel interessante en gevarieerde jobs in ICT. Donc derrière la vente d'une solution technologique, il y a toujours énormément de choses à faire, la formation des gens, tout ça fait partie de ce qu'on appelle un projet, et un projet demande d'être géré. Comment expliquez-vous les 14 000 emplois vacants dans cette filière? Peut-être que la rémunération est non. Le CEO Tour se poursuit par le Digital Masters, qui est une compétition inter-école qui vise en fait aussi à mobiliser les jeunes et à mieux les informer sur les profils dans le secteur TIC.